Nicolas Hébert, entreprise Escadrone, je vais vous présenter comment paramétrer votre drone DJI avec le fournisseur de correction Terria. Je vais insérer le dongle 4G dans lequel on a initialement mis la carte SIM avant le démarrage de la radio. On a une petite LED qui va nous indiquer l'état du dongle 4G, donc rouge non connecté au réseau, bleu connecté au réseau. Je démarre ensuite la radio commande, un appui long, un appui court. J'entre dans l'application DJI Pilot. J'ai démarré mon drone. Et on va aller soit dans Mission Flight, soit dans Manual Flight. Là, on va le prendre dans le mode manuel. On va aller chercher les trois petits points en haut à droite qui sont le menu des paramétrages de l'ensemble du drone. Dans les onglets de paramétrage, on va chercher les paramètres du GPS temps réel, donc RTK, le petit onglet RTK. Dans ce menu, on retrouve l'activation ou la désactivation du positionnement RTK. Quel type de fournisseur de correction on souhaite. Donc, on a le choix ici entre l'ADRTK2, qui est donc une correction qui vient du pivot DRTK2 fourni par DJI, ou Custom RTK Network. Et là, dans ce cas-là, on va se connecter chez Terria, donc avec une adresse de serveur, une adresse IP qui est renseignée dans Ntrip Host, un port 2101 dans notre cas, un nom d'utilisateur vidéo DJI et un password associé. Le point de montage, dans notre cas, VRS32. Lorsqu'on sauvegarde, on a le statut qui va évoluer de non connecté à se connecte, puis la position sera en flottant et pour terminer, on sera en fixe. Ici, donc on a bien la connexion qui s'est établie et on est bien en fixe sur le GPS. On retrouve dessous des paramètres du nombre de satellites reçus par constellation sur l'antenne 1, l'antenne 2 du drone issu de Terria. Et puis la position de notre drone, donc ici, en WGS84 avec toujours une hauteur à l'ellipsoïde chez DJI. Une fois paramétré, on voit le statut en haut à gauche qui passe sur Ready to Go RTK. Donc on a bien le GPS temps réel qui est activé et un fixe. Donc on est bien en vert. Et donc à partir de là, on peut démarrer nos missions, notre vol manuel ou notre vol automatique.